Bonjour, aujourd'hui 5 mars, je suis Rose. Je lis les deux bibliques et les proverbes. Certes, bénédictions particulières ne sont accordées qu'aux justes. Proverbe 11, verset 13, pardon, 3 et 6. La fin de ce chapitre est consacrée aux justes. C'est donc la bonne chose de examiner ces différentes facettes et les concernant et les méditer sur ces vérités. Les justes bénéficient de la direction divine. L'intégrité des hommes doit les guérir, la capacité des traits tourne à leur désolation. Et, je vais ajouter, l'intégrité vous aide à accomplir ce qui est droit. Elle vous aide à choisir et à marcher dans les voies de la justice. L'âme qui est intègre et juste ne sera jamais à l'esprit de la perfection. Vous ne pouvez pas mélanger ce qui est droit avec ce qui est tout. Il n'est jamais pas à côté de côté. La voie de la droiture amène au ciel, tandis que le chemin tout se retourne contre tout ce qui est bon. Son issue, c'est le faux de l'être, la perfection de tout. La justice de l'homme intègre rien ne doit savoir, mais les méchants tombent par sa méchanceté. Vous verrez rarement les justes s'égarer un chemin, car on a appris à être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Il souvient de près les bons bergers parce que leurs corps sont remplis d'amour. Ils sont aussi préservés de tous les égarements. Les justes sont en sécurité au jour de la mort. La fortune ne sert à rien au jour du corps, mais la justice est libre de la mort. La justice des hommes doit les délivrer, mais pas leur habileté. Les traîtres sont pris au piège. Quand le Seigneur a quelque chose contre vous, il ne sert à rien là où vous mettez pour trouver un échappateur. Personne n'a jamais fui le jugement de Dieu et le fond de la vie. C'est ainsi que l'homme lui donne de l'argent à l'église à l'époque du Moyen-Âge. Pour échapper à ce qui pourrait être le purgatoire. Les hommes croyant qu'à chaque fois que les pièces de monnaie touchent le fond du tronc, l'âme pour laquelle l'argent est donné échappait au jugement. Bien entendu, c'était un mensonge des prêtres pour obtenir de l'argent de ceux qui étaient endeuillés, profitant du fait que leur corps était infligé pour la mort de leur bien-aimé. Les hommes craignant donc que l'être qui est amant ne soit châtié par Dieu pour ses péchés. Évidemment, les justes n'ont pas à redouter la mort, car la paix de Dieu règne dans leur corps par Jésus-Christ. Et je vous laisse ça au nom de Jésus, le Père éternel. Amen. Sois béni, sanctifié et guéri. Shalom. Amen. Alléluia.